V comme verticalité, un sujet vertigineux pour le coup et qui ne date pas d'hier. Un peu de courage! Il y a une période reculée où votre aventure était souvent constituée d'une succession de tableaux. Tout l'espace de l'écran était alors mis à votre disposition. D'autres titres désormais mythiques vous invitaient à viser les sommets, comme Ice Climbers ou encore Kid Icarus. Et ne pas être coincé sur le plancher des vaches, c'est souvent créateur d'un fort sentiment de liberté. C'est idéal pour pouvoir sonder ses environs et envisager une approche furtive, mais aussi pour profiter d'un univers bac à sable, lorsque les développeurs décident que les lois de la physique et de la pesanteur, c'est pas si important. Qu'on utilise ses petites mains pour escalader, un bon vieux grappin ou un jetpack, l'idée d'un gameplay vertical n'est donc pas nouvelle dans les titres solo. Mais elle est plus récente dans le multi-compétitif. Si on rocket jump dans tous les sens depuis bientôt 20 ans dans les fast FPS, un certain Mirror's Edge est passé par là. Titanfall était ainsi l'un des premiers titres à mélanger parcours et shoot, ce qui n'est pas passé inaperçu chez les développeurs de Call of Duty ou Overwatch. La mort vient désormais aussi d'en haut.